Des conditions très difficiles, pas forcément propices pour développer le rugby de mouvement. Après, je crois qu'il faut souligner la grosse performance de notre paquet d'avant qui a dominé son adversaire globalement, à part les 10 premières minutes où les Occitans ont réussi à marquer un essai sur ballon porté. La fin de première mi-temps, on domine, on n'arrive pas à concrétiser malheureusement. Et puis après, voilà, on a continué notre travail de sape durant la deuxième mi-temps et on marque deux essais de pénalité qui sont, je pense, leur priorité et qui nous permettent de nous imposer aujourd'hui. Il faut continuer à travailler et espérer continuer à enchaîner les bons résultats.